En quelques années, Marion Rousse, qui a aujourd'hui 30 ans, s'est fait une place de choix autour de France à la télévision. Il faut dire que son histoire d'amour avec l'un des cyclistes français les plus populaires a bien aidé. En effet, depuis avril 2020, elle vit une belle relation avec Julien Alaphilippe, double champion du monde sur route, avec qui elle a eu un enfant, Nino, qui est né en 2001. Ancienne championne de France de cyclisme sur route, la jeune femme a toujours baigné dans ce sport qu'elle a commencé à pratiquer très jeune, un univers qu'elle connaît par cœur. Et Julien Alaphilippe n'est d'ailleurs pas le premier cycliste professionnel à avoir fait chavirer son cœur. En 2008, elle fait la rencontre de Tony Galopin, un charmant cycliste français dont elle va rapidement tomber amoureuse. Tous les deux ont vécu une très belle histoire pendant 6 ans avant de se marier en octobre 2014. Tony Galopin est bien connu, il a porté le maillot jaune en 2014. Mais malheureusement, leur belle histoire a pris fin en 2019 lorsqu'ils ont divorcé. Une belle histoire avec Tony Galopin qui s'est bien terminée puisque tous les deux restent en bons termes et une nouvelle qui a rapidement commencé avec Julien Alaphilippe.